Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène, nuage noir. Yeah.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Et chose promise, chose faite. Ils l'ont promis et ils l'ont fait. Aujourd'hui, c'est le réveillon de l'année 2021. Je suis avec l'un des organisateurs du défilé qui se passe actuellement au terrain de basket. Et comme vous le voyez, le public a répondu. La sueur, on voit qu'il y a le travail et j'espère que ça va se passer dans de bonnes conditions. N'est-ce pas, messieurs? Oui, très bien. En fait, c'est chaud, nous sommes là. C'est du boom, c'est du lourd. Le public a déjà répondu l'appel, donc nous sommes fiers de Sangarédica. Donc vraiment, je suis content, je suis ému de joie, vraiment, vraiment. Ah donc, comme si je comprends bien, à part les sociétés minières, les jeunes de Sangarédi, la jeunesse de Sangarédi veut faire quelque chose. Mais bien sûr que oui, vous-même vous le voyez très bien. En fait, ça fait 3 ans comme ça, la CBG ne réagit pas sur la fin d'année. Donc nous aussi on a essayé depuis l'année passée, l'année dernière, ils n'ont rien fait. Donc on a mis quelque chose en place. Donc nous allons continuer comme ça. Et la jeunesse, les gens sont motivés. La jeunesse est motivée. Donc ils sont tous prêts à nous accompagner sur notre idée. Donc vraiment, vraiment, l'appel a été effectué par le public de Sangarédi, par la jeunesse de Sangarédi. Et nous sommes là avec tête tranquille. Nous sommes là, nous allons assurer pour la soirée de l'histoire, pour l'année, pour l'an 2021. Là, de bonnes chances à tout le monde, bonnes chances à tout le monde, la jeunesse de Sangarédi. Ah ben ouais, la famille, vous avez entendu, lui c'est un jeune, il est de Sangarédi. Et voilà, il a mis la jeunesse de Sangarédi à l'avant en organisant une fête aujourd'hui au terrain de basket. Et vous le voyez, comme il a si bien dit, le public a répondu. Et là, nous vous encourageons. Continuons comme ça et franchement, la ville de Sangarédi va rayonner. Partout, partout et partout. Vraiment, merci beaucoup. Je vous laisse aller travailler et profiter bien. Et là, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour l'an 2021. L'an 2021. Ouais, il n'y a pas de souci à tout le monde, à toute la famille qui est de vôtre, à des nôtres, de leur.
de l'ensemble même. Donc merci, et merci monsieur le gérant de la CAEA, et merci à vous aussi. C'est la famille, on vous attend aussi pour l'année prochaine. L'ensemble, nous allons faire quelque chose à Sagnaredi. Tous les ressortissants de Sagnaredi veulent mettre quelque chose en place pour cette ville brillante. Sagnaredi a des noms. Quand vous partez à Conakry, seulement les gens parlent de Sagnaredi. Mais comme vous l'avez si bien dit, l'image de Sagnaredi reste ici. Ça ne sort pas à l'intérieur. Alors, nous devons faire quelque chose, nous devons faire tout pour que l'image de Sagnaredi soit officielle pour tous les Guinéens, pour tous les Guinéens. Vraiment, je vous encourage très bien. Je vous remercie. Merci, merci à vous. Merci à l'ensemble. Vraiment, c'est la famille. Big up! Impossible de savoir à quoi s'attendre. Tu changes de goût, tu te glisses dans tes pattes. J'aurais préféré ne jamais croiser ton chemin. Et dites-nous, monsieur, comment est-ce que vous vivez la soirée du réveillon de l'an 2021 à Sagnaredi? Voilà, et j'avoue que c'est ma première fois de vivre cette soirée, la soirée du réveillon. J'ai vu, puisque je pourrais dire que j'ai fait une entrée triomphale, parce que dès que je suis rentré au terrain de basket, je ne faisais que voir des flambeaux, des pétards, parce que je suis rentré à 0 heure pile. Donc ça trouve que nous sommes rentrés dans l'année 2021. Ça a été de bonnes choses avec les prestations des Miss et Masters, avec les flambeaux, les pétards. C'était cool, c'était waouh quoi. Donc on vous a accueilli comme un roi. Voilà, c'est ce que j'ai vu. C'était cool. Voilà, c'était une bonne sensation. J'étais venu avec les amis. Mais bon, malheureusement, l'un de mes amis a perdu son téléphone. La joie a diminué un peu parce que je ne pouvais pas être trop en joie puisque lui, il a perdu son téléphone. Un outil très essentiel pour lui. Vraiment merci monsieur et passez une excellente soirée. Merci monsieur, merci à vous. Nous sommes là aujourd'hui pour vous parler d'un projet nommé Guinée Vibes. En fait, ce projet a été créé par des jeunes vivant à Sagnaredi qui sont aussi natifs de Sagnaredi. Ce projet a pour but de ressortir les talents sur la réalité de la vie des jeunes de Sagnaredi vivant dans les différentes régions, dans les différentes préfectures et les sous-préfectures. C'est simple. Ce projet aussi vise, puisqu'on sait que nous sommes tous des Guinéens, nous vivons tous sur le territoire guinéen. Mais chacune de ces jeunesses-là qui vivent aussi dans ces différentes villes de la Guinée a quelque chose de particulier. Donc c'est cette particularité-là qu'on veut ressortir à travers une image qu'on doit lancer sur notre page Facebook qui s'appelle Guinée Vibes. Mais puisqu'actuellement on est à Sagnaredi, on va nommer ça, le programme s'appelle Sangavive. Et sans plus tarder, je vais laisser à Mousse Nuzier vous parler de Sangavive. Du projet Sangavive. Il a expliqué le programme qui est Guinée Vibes. Et Sagnaredi Vibes, ça c'est seulement pour Sagnaredi. Et le but c'est quoi? C'est de faire sortir la réalité de ce qui se passe à Sagnaredi. Ne restez pas sans savoir que on dit Sagnaredi la ville la plus propre, la ville qui ne paye ni électricité, ni eau. Mais franchement, la ville qui n'a ni radio ni télé. À Sagnaredi, on n'écoute que la radio de la CPG. Ça, vous le savez, je pense bien. À l'intérieur du pays, quand on parle de Sagnaredi, on ne voit que la CPG. Et moi, je sais qu'à Sagnaredi, il y a des jeunes qui sont talentueux. L'exemple est là. Il y a des masters, il y a des miss, il y a des rappeurs, tout et tout et tout. Donc, nous, on est là pour faire sortir cela.
pour montrer à tout le monde qu'à Sangaredi, on ne parle pas que de la boxe. Il y a des gens, il y a des jeunes qui sont talentueux. Donc, en grosso modo, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Et je crois que je serai la première à liker la page. Hein. Oui, Ruby. Donc, n'oubliez pas de partir liker leur page. Sangaredi. Comment est-ce que ça se passe, la fête de fin d'année à Sangaredi? Bon, d'abord, je vais commencer par me présenter. Je suis Barry Rougiatou, je suis diplômée en journalisme et communication à l'Université internationale Collège Unique. Eh bien, la fête se passe bien, ça se passe super bien. Les jeunes de Sangaredi m'ont fait appel pour présenter leur événement. Bon, vous m'avez trouvé en train de présenter un événement et ça se passe super bien. Les jeunes sont enthousiastes et le réveillon se passe à merveille. Ah, ça c'est très bien. Une présentatrice de Sangaredi. Vous le voyez, comme je le disais tantôt, Sangaredi a des talents. Et c'est la preuve. C'est la preuve. Mon ami peut vous montrer aussi qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Vraiment, mademoiselle, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et merci, je serai la première à liker la...